Yes. Salut YouTube, attention. Vous êtes toutes des belles personnes. Allez, dans ta gueule! Faites gaffe, ça sent mauvais, ça, il va dire plein d'insultes après. Non mais, juste parce que t'as dit que j'allais dire des insultes, je vais pas dire d'insultes, tu sais quoi? Vas-y, ça me va. Alan va vous insulter toute la journée, vous dire que vous êtes des gros cons, tête de bite et tout ça. Et au moins, peut-être que le chat viendra. C'est ça, ouais, espèce de gros con, tête de bite, sale schlag. Ouais, avec moi par contre ça marche pas. Avec le chat, il va falloir l'insulter, mais ouais. Ah bah tu t'es niqué, hein. Tu te souviens où est-ce qu'il est déjà le Forge LOL? J'ai oublié dans quelle salle il est. C'est pas un Forge LOL, mais je sais plus dans quelle salle il est. Déjà, faut que je te rejoigne. Ouais, Est-ce que je peux connexion. faire rejoindre le jeu? Non, t'es obligé de m'inviter. Ah, et d'ailleurs, je pense à ça, là. J'ai regardé du coup, VOD en 720p. Donc j'ai baissé un peu juste pour que le stream soit moins dégueulasse. Je suis en 618 ou 628 de qualité. Oh, pas dégueu. Ah, mais si je veux, je fais des VOD de 1080p, 60 Hz, tout ce que tu... Enfin, 60 fps. Ouais, mais bon, faut penser au stream aussi derrière. Bah, quoi. C'est ça. J'ai regardé un peu, j'ai regardé les deux. Effectivement. Et du coup, j'étais sur ma petite chaise. Effectivement, j'ai un point d'exclamation. Pourquoi, par contre, j'ai pas mon arbalète? J'ai mon arbalète, c'est juste qu'on la voit pas. Pareil avec Madora, j'ai mon arme. Après, l'élémentaire, il nous manque celui des glaces. L'élémentaire de glace, ça serait le royaume de glace, donc faudrait qu'on aille faire un tour là-bas aussi. Pour moi, c'est le royaume de glace. Pour moi, ça paraît logique qu'il serait dans le royaume de glace, et même... Parce que, te rappelle-toi qu'on discutait avec un puits. Ouais. Et pour moi, il y a un délire avec le puits. Alors, soit c'est le méchant, soit l'élémentaire de le glace. Le puits nous avait emmené dans la zone de glace. Hein. Oui. Soit il est emprisonné dedans. Il y a un petit truc. Bon, j'ai envoyé un message à Zerbino, au pire il aura la VOD. D'ailleurs, je crois qu'elle a déjà 3 vues la VOD. T'avais un truc pour te reskill? Non, j'ai utilisé des points de capacité pour me donner un point d'attribut en plus. Des points de capacité pour te donner un point d'attribut? Ah, mais moi c'est l'inverse, c'est des points d'attribut pour des points de capacité qu'il me faudrait. Mais c'est pour Madora. Madora, je vais attendre qu'elle monte d'un niveau. Pour lui mettre homme d'armes niveau 6 et lumière divine. Je suis en train de lui parler, il me dit là, tu sais, pour remap mes trucs. Il me dit, je peux dire, je paierai le prix 1000,0, mais. C'est quoi, c'est de l'argent? C'est pour faire quoi? Bah, pour remap. J'aimerais redistribuer mes talents, capacités, attributs principaux. Ah, mais moi c'est pas ça que j'ai fait avec Madora, c'est j'ai fait le... Je sais plus ce que j'ai fait. J'ai fait... Non, pas mes attributs principaux. Ouais, mais si c'est amélioré, il te demande des marques de talent ou des marques de capacité, ça veut dire que tu prends des points de l'un pour les donner dans l'autre en fait. Ouais, et mais... faut en avoir ah, oui. assez en stock. Genre par exemple, j'avais 3 points de capacité que ça m'a bouffé pour ah, me oui, donner d'accord. un point de talent. Ah ouais, parce que moi je voudrais des points d'attribut pour les mettre en capacité, mais je les ai déjà dépensés. Mais par contre, si je fais, j'aimerais redistribuer. Bah, si t'as de la thune, tu me laisses faire avec Madora. Hein. Et je regarde comment ça marche. En fait, je sais pas si ça va être de la thune ou autre chose. Des points d'XP. XP ou je sais pas. So that is who we were. Demigod Guardians of the God Box. Ah oui, ok, c'est par rapport au coffre. Ouais. Oui, Alan a fait un petit dialogue. Oui, j'ai essayé de reparler à la tisseuse du temps, histoire de refaire ses dialogues, comprendre ce qui se passait. C'est rien. Là, visiblement, ça devait être, ouais, ça doit être un petit truc caproc parce que je lui ai parlé de notre passé, quoi, mais c'est tout.
Oui, parce que pour ceux qui se rappellent pas, il y a des coffres qui causent à qui il faut qu'on... Non, non, rien à voir. C'est pas ces coffres-là? Ah, rien à voir, rien à voir. Ok. Là, c'est rapport au fait qu'on ait des tracks sources et que les anciens nous étaient là pour protéger le coffre divin, mais qu'ils n'ont pas réussi à accomplir cette tâche et que du coup, nous, on est là maintenant histoire d'essayer de reprendre cette tâche, tu vois. And from what we've seen here in this realm, little good came from being a half divine. Ok. Prudent. Ok, nice. Mais écoute, si vas-y, essaye avec Madora, hein, si tu veux. Il va sûrement falloir de l'argent. Bah, je sais pas, ça dit 1000, mais ça dit pas si c'est de l'argent. Vous proposez-vous, j'aimerais tout réattribuer. Une grande ambition, mais vous semblez pas pour. Ah, c'est de l'argent, c'est de l'argent. C'est de l'argent. Non, et puis c'est comme, je me demande si, tu sais, si je lui demande ça, si ça va pas me faire perdre tous mes spells aussi, parce que j'aurais plus ce qu'il faut pour les utiliser. Ça m'étonnerait que tu les perdes, mais tu pourrais plus les utiliser, mais si tu remets des points... T'as, moi, Madora, tout ce que je veux, c'est armes, virer les trois que j'ai en deux mains, pour les mettre en homme d'armes, pour avoir lumière divine. Parce que pour le coup, genre... De toute façon, est-ce qu'on a 1000 balles ou 10 000 balles en... J'ai 3000 balles. Oui. A pleasure to see you yourself redone, quite the... Déjà, par exemple, j'ai un point en géomancien, ça me sert à rien, je le retirerai bien, gueule. C'est pour l'araignée, géomancien, c'était au début. Non, c'est sorcellerie, l'araignée. Sorcellerie, l'araignée? Ah non, c'est géomancien. Géomancien. Non, my bad. Bah écoute, si t'as 1000 balles... Pour le coup, l'araignée, ça me sert plus à rien. Si t'as 1000 balles, je teste. Ah, t'as pas 1000 balles? Non, je t'ai filé toute la thune, t'es la banquière. Pour le coup, j'ai dû te filer vraiment toute ma thune. Ouais, j'avais tout dépensé pour acheter les cartes. Par contre, je sais pas si t'as la musique, mais la musique de cette zone me fait fortement penser à la musique de Gwyn dans Dark Souls. Je sais pas, moi j'ai le ting 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 ting. Ah, t'as pas de piano? Oh, dommage. Non. Ah, c'est votre dernier mot? Ouais, vas-y, c'est Madora, je teste. Donc, effectivement, j'ai trop de choses à porter. Et j'ai tout à réattribuer. Et dans tes compétences? Je peux tout réattribuer et... Non mais tes compétences, est-ce que t'as toujours tes spells? Compétences... Ah ouais, non. Attends. Ah ouais, effectivement, merde, si j'ai plus mes spells, je suis baisé. De toute façon, il voilà. Y a la sauvegarde avant. Mais attends. Ouais, il y a la sauvegarde avant. Attends, je vais tester. Compétences... Homme d'armes... Comment ça je peux monter qu'à 5? Je crois que c'est le max. Pourquoi ils me disent de monter à 6 en homme d'armes? Ah ouais? Pour avoir mon spell. Mais ouais, non, effectivement, j'ai que les spéciales. Donc ouais. C'est pas un bon plan. C'est vraiment pas un bon plan. On reload? Bah, on va pas voir le petit dialogue, mais au pire, tu respam. On n'a pas fait d'achat, on n'a rien fait. C'est bon, on s'en branle, hein. C'était un dialogue à la con. Ça m'a permis J'irai de tester. J'irai lui reparler tôt ou tard. Par contre, peut-être pour avoir homme d'armes niveau 6, il me faudrait un item du coup. Bah, je vais regarder, mais parce que moi, par exemple, avec Dan, j'ai aéroturge au niveau 5 et je peux pas aller plus. Ouais. Et je vérifie. Ah, j'ai plus Madora du coup, mais c'est pas grave. Tu me redonnes Madora. Merci. Du coup, je voulais tester. Inventaire. Lumière divine. Apprendre homme. Permet d'apprendre homme de compétence 6. Novice catégorie. Attends. Impossible d'apprendre le niveau d'arme. Ouais, il me faudrait niveau 6 en compétence, c'est ce qu'ils me disent.
Ils me disent pas que je suis max. Ouais, après, de toute façon, ça servait à rien. Madora, de base, elle a 2 en 2 mains, donc. C'est pas grave, c'est pas grave. Elle est très bien comme elle est, Madora. Ouais, c'est ça. Il y a des bonus de certains items et de certains talents qui te permettent de boost ton rang au-dessus de 6. Ouais, 6 Enfin, au-dessus de 5. Donc 5, c'est le max normalement. Et 6, c'est le max. 6, c'est le max boosté et 5, c'est le max pas boosté. Ok. Exactement. Donc, il nous faut en priorité du stuff perception et s'il y a un stuff qui filmera d'abord. Mais je sais pas trop. Mais ouais. Il va falloir se trouver du stuff perception, mais bon. Bah, on plus d'argent. On fait le tour des vendeurs. Hein. Le tour des vendeurs. Ouais. Faut pas trop avoir le choix. Hein. Non. Je suis en train de penser à ça, mais je suis emmerdé pour ma putain de VOD d'Halo là, c'est mon truc. Tu sais quoi, pendant que tu fais des achats, je vais. Pourquoi on a encore des points jaunes sur la carte? Je vais aller voir le point jaune. Enfin, j'ai donné toute la thune à Madora. Hein. Ah, t'as... Non, ah bah non, du coup, je l'ai toujours. Vu qu'on a reload. Ah, je suis sûr que je peux combiner le puits avec de l'argent. Un truc à faire. Et il est où le mage qui se transforme en chat là qu'on a vu au début? Parce que lui, je me rappelle qu'il vendait du bon stuff. Aucune idée où est-ce qu'il est. Je crois que c'était à rue son blaze. Ouais, je crois que genre, attends, il est peut-être là. Non, boutique d'Esmeralda. Elle vend des armes. The hunter returns. I hope you are here to shop rather than sleuth. Ah, c'est de la merde. Ah, une non. C'est de la merde. Tiens, d'ailleurs. Oui, fabrication, recette, arme. Eh, ok, on a quasiment qu'une recette au final. Ça, par contre, pour trouver des trucs qui filent. Je fais le tour des vendeurs, moi. Déjà, je vais regarder équipement, furtivité. Alors, pas un casque, un casque. Casque que j'ai déjà. Ah, je peux me rajouter un perception en plus. Ce qui me fait. J'ai 9 en perception. 9. Bah. Oh, j'ai un torse qui file plus 2 de perception. Nice.
Et l'œil du faucon, ça me donne rien. Oh mais oui, c'est pas bête, j'ai peut-être des spells qui permettent de faire ça avec Lydia. L'œil du faucon... J'avais un truc dans le genre. Et Madara... Ah, c'était quoi? Regard incandescent. La cible gagne un bonus de perception temporaire, soigne aveuglement. Perception, ouais. Ça doit filer un ou deux. Attends, j'arrive pas à tout lire, il y a du texte qui s'écrit les uns sur les autres. Déjà, ça fait de perception, on sait. Mais en gros, spécial, il y a marqué 100% plus 110% de chance d'appliquer regard incandescent pendant 10 tours, mais ouais, ça dit pas. Mais je pense, ouais, ça doit augmenter ça de un ou deux, un truc comme ça. Mec, il y a un casque qui me file maître d'armes. Mais par contre, il coûte 4446 quoi. Ah, bouge pas. Si je trouve quelque chose d'autre qui peut te filer perception, oh, j'aurais définitivement pas assez de thunes. Ok. T'as, par contre, il y a une pochette que je me prendrais bien, mais non, j'ai plus que 5000 balles, j'ai que la thune d'essayer de choper un item quoi. Mais un truc qui débloque le spell Rafale Glaciale. Rafale Glaciale, bah faut qu'on trouve l'élémentaire de glace. Non mais genre c'est sur une sacoche, tu débloques le spell en étant équipé de la sacoche. Ah. Après, là tu montes à 9 plus 2, tu montes à 11. J'ai un anneau là qui file 1 de perception. J'ai pas anneau, donc je suis à 10. T'as pas d'anneau qui file de perception? Non, je crois pas. Non, ce que j'ai moyen d'en avoir 2, ça veut dire que je t'en rajoute 4. Ouais, non, c'est pas mal. On est à 13. On est à 13, plus si je te mets regard incandescent, on arrive à 14 minimum. Ouais, c'est pas mal. Et on est bon, du coup. Moi, je suis allé voir Areus, là, le vendeur d'armes et de spells. Mais il file rien. Il te fallait combien? 4046. Oh mec. C'est ce qu'il faut? C'est vraiment optionnel hein. C'est sur qui que tu veux, Madara? Ouais. Ouais, enfin Madara ou Felindra. Putain, 100 balles près. Voilà, je t'ai envoyé les trucs qui filent la perception. Merci. Tiens, du coup, je te donne ça et je te rends la thune. Ah, mais on peut mettre qu'un anneau. Ah non.
pourquoi j'ai ça? Parce qu'il y a du déplacement. Bah mec, pourquoi j'ai... C'est ouf. Pourquoi j'ai gardé ça? Tiens Jeanne, je te fais un joli cadeau. Ah, en plus l'armure elle est meilleure. Tiens Jeanne. Voilà. Bon bah écoute, c'est worse. Ça va être pratique la perception en plus. Je suis à 13. Ah ouais, t'es à 13, ça va être bon. Bon maintenant... Est-ce que les secrets, ça va être les trucs jaunes du coup? Putain, j'ai confondu maître d'armure avec maître d'armes. Ouais, c'est pas grave, j'ai dépensé de la thune, mais... C'est pas grave. Ah. Non, mais je suis allé trop vite pour la besogne. Du coup, il y en a sur la map des trésors à trouver là? Bah je pense, mais le problème c'est que pour beaucoup de trucs, genre par exemple d'après la note de Mendu, ces derniers biens sont enterrés à cet endroit précis. Sauf que j'ai aucune idée de quel est cet endroit. Sous l'autel de la vieille cathédrale de Lucula se trouve une bibliothèque qui renferme bien des secrets. Ouais... Bois de Lucula, ouais... Donc ça serait la Val d'Argent du coup. Pourquoi on a un truc à faire avec l'orque enterré encore? Je comprends pas pourquoi des fois il y a des jaunes alors que je sais que le truc avec l'orque enterré, on l'a déterré, on a buté tout le monde. C'est peut-être les trucs importants. Vas-y, on y va. Soit on est là pour se balader. Je vais voir. Je me rappelle de tout ça. Sigurd brought me swiftness. Oui, il y a un orc. I've spotted some. Away with your weapons. Away. Leave a bullock to me. Il faudrait, faut que je déterre son. Peut-être qu'avant on pouvait pas le voir, mais maintenant que t'as la perception, tu peux. Peut-être. Le machin il a 250 HP en fait, je vais one shot si vous. Oui. One shot le, hein, c'est pas comme s'il est utile. Ouais, bah, de toute façon, ce dialogue disait rien. Ouais, j'ai déterré son frère. Nice. Et si ça se trouve, c'est justement un des secrets, hein. Armure orc, casque orc.
Moi par contre, ça serait quoi comme quête ça? Fais-le brûler. Toi qui as du feu. Tu veux? Tu pouvais pas le tirer dessus? Quoi, tu veux que je le fasse brûler? Tu veux que je fasse tomber des comètes sur sa gueule? Ah ouais, bah je me demande si on peut le faire cramer en fait. Parce que tu peux l'ouvrir encore, mais... Ouais, non, ça sert à rien. Putain, je peux encore l'ouvrir. Je comprends pas pourquoi c'est jaune. Ah ouais, non, c'était ça. L'orque en deuil. Lorsque nous a montré l'emplacement de la tombe de son frère, sur la plage de l'ouest, un orque en deuil nous a confié qu'il venait d'enterrer son frère avec une armure complète. Ouais, on a l'armure. Donc c'était le déterré pour avoir l'armure. Pourquoi c'est encore jaune du coup? L'équipation de Madora. Voir ce que ça dit. C'est absolument rien. Ah oui, d'accord, ok, je vois ce que tu veux dire par... Je présume que... D'après les rumeurs, un trésor est enterré ici. Super. Le royaume de la sorcière blanche. Il y a beaucoup de trucs dans le bois de Lucilia. Le savoir des morts. La chambre des échos. Alors, y a des endroits qui sont simples à rejoindre, mais faut juste qu'on les trouve quoi en fait. Non mais écoute, il y avait un débat qu'on avait vu qui était dans le truc en dessous de l'église. Allons voir en dessous de l'église. De toute façon, les 3-4 premiers que j'ai lus, c'était au bol du Sulia. Il y en a un où je suppose savoir où c'est. Si on se balade un peu, je vais retrouver. Mais après, j'avoue que les trucs avec les skillbooks, j'aurais bien dosé aussi parce que j'aimerais tellement trouver là, un skillbook qui m'intéresse. Il y en a un que j'ai lu qui pourrait que je pense que ça m'intéresse. Je sais pas si c'est celui-là, mais ça parle des livres d'invocation des morts, donc Ah oui, oui, oui. Celui-là. Parce que du coup, moi, Felindra, maintenant que. Ah, mais je peux encore augmenter Gredin. Par contre, tireur d'élite, je suis au max. Je pense que c'est là, sanctuaire de la balise. Bah, je pense.
Est-ce qu'avec ta perception supérieure, tu trouves pas des trucs? Elle l'aurait dit. Non, on a tout pillé avant plus. Ça, après, ça nous amène où? On est toujours dans les bois de Bisuquia, mais on n'est plus en ville. Et alors, il y a peut-être une autre troll, mais ça me paraît très bizarre quand même. Tu penses qu'il parle de cette église là? Non, et puis t'as pas des bloodstones sur toi? Je crois pas. Pierre de sang aussi, j'en ai deux. Mais j'en ai deux vides. Attends, bah passe-les-moi. Je me demande s'il y a pas un truc à faire avec. Pierre de sang, je me demande s'il y a pas moyen de s'en servir. Alors, tu sais, en tant que Starstone. Tu veux l'utiliser sur quoi? Bah pour ouvrir les portes. Je me demande s'il y a pas moyen de les purifier, tu vois. Pas bête. Ou de les infecter. Je pense que les deux sont possibles. Après t'es chaud, on va à Iberheim pour voir si on peut pas choper l'élémentaire de glace, parce que ça me choque qu'on l'ait pas alors qu'il me semble qu'on avait tout fait. Moi ça me choque qu'on ait pas l'élémentaire de terre. Non exploré encore, ou alors ça s'appelle explorable. Ah, il y a peut-être un endroit où on n'est pas allé. Ouais, il y a un endroit, mec, ils sont affichés sur la carte neige et glace. Il y a un coffre de quoi ça sur la en bas à droite, sur un autre bout. Sur un autre bout d'île, carrément. Ah ouais! Il y a un coffre. Oh, bien vu! Ah, et il y en a un. Le trésor des rois de l'hiver. Iberheim. Ouais. Les trésors des. Ouais. Bah écoute, allons voir les trésors des rois de l'hiver, c'est à côté. Ouais. Ah mais oui, bien vu. Je sais pas si c'est ça. Fuck. Là c'est pas glacé de partout non plus. Donc ici on a tué des trucs. Ouais, je me rappelle de lui. Il dit quelque chose. Ah. Hein. On ne peut point passer. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et une sentinelle, un piège. Un piège. Je sais pas ce que je reparlerai, c'est y a le trésor. Hmm.
C'est bizarre, quand tu sélectionnes la porte, il y a un carré chelou. Et puis c'est hors de vue. Bizarre. Et l'autre, je sais pas comment on y va. Sûrement avec un miroir ou... un truc du genre. Mais merde. Oh. Il y a une glace ici aussi. Ce serait pas un bail avec un livre. J'ai des livres. Ouais, mais un livre qu'on aurait chopé ici, donc il y a super longtemps. J'ai mon sacré livre. L'absence des sept dieux forgeron. Guide. L'aventurier. J'ai la philosophie de la mort si tu veux. Ah, j'ai 429 manières d'atteindre la sagesse si tu veux. Ah, non, 299. Attends, c'est un troll? Attends, au pire? Essayons d'aller voir le puits. Après tout, t'avais ça comme idée en tête, non? Ouais. Bah après, est-ce que tu as une idée d'où est-ce qu'il est le puits? Non, parce que visiblement là, on peut rien faire. Non. Non, j'ai regardé dans mes bouquins et j'ai rien. Walk of worship. Bon, de toute façon, la zone elle est pas grande. Quel enfer. Lapin. Attends, il y a un coffre ici aussi. Oh, il y a quelqu'un qui parle là-bas. T'es où? Juste par là-bas, j'ai vu un truc parler à gauche. Mais il y a un coffre en dessous. Ah ouais, j'ai entendu. Attends, j'essaie juste de regarder pour le coffre. Ah ouais, non, easy, ok. T'es parti. Baston. Euh,
C'est ça ? Je pouvais pas lui parler, j'ai décidé de lui taper dessus. Quelle violence. Non, l'autre il est vert. L'autre truc il est vert. Ah oui, ok. Je voyais pas taper sur lui. Mais non, c'est juste le gardien de mon cul là que je veux éclater parce que le lapin ou je sais pas quoi il était en mode j'ai peur. De Kier. Ouais, du coup. Ça va, Jeanne, pas trop froid. J'ai froid. Qu'est-ce qu'il a droppé? Un bougie. Lapin. Il s'appelle Pimpin. Ah, il a grignoté sa carotte. Donc t'as bien fait de le tuer. Je suis content qu'on soit tombé sur ce random. Tout ça parce que j'ai vu un truc, j'étais en mode ah ma kilite. Attends. Il est mort. Luckily, my coat is as warm and cuddly as it looks. Or my tender little ticker would have stopped hopping along. Nothing much. Let me think. From the look of you, you'll probably end up a stain on the chasm floor should you attempt that jump. But I guess it wouldn't hurt to show you the place I need. Follow me. Oh, voilà. Follow the rabbit. Cool. Sérieux là? Il est sous ma gueule le lapin, y'a rien. Y'a que dalle. Ou alors j'ai pas assez de perception, mais y'a rien. Ah, je crois que c'est une route pour rentrer dans le côté vert là. Dans la grotte. Ah, je peux faire un autre bond. Je peux téléporter. Ouais. Ouais, t'as toute une succession de plateformes sur lesquelles tu peux aller, je pense. TP, ouais, c'est ça, je monte jusqu'à la zone verte. Putain, ça va demander beaucoup de téléportation cette histoire. Bah surtout que je vois pas trop à quoi ça sert. Parce qu'on a la balise hein, pour y aller. Ah. Et il y a un autre chemin. Attends. Ouais, mais je pense que ça doit être un raccourci, genre on l'aurait trouvé dès le début, tu vois, ça aurait été genre une route alternative pour aller dans oui, le château. Oui. Une route genre fufu. Bah merci Pimpin de ton utilité incroyable. Ouais, il y a le coffre pas loin. T'as Pimpin, il m'a donné envie de tuer des lapins quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Trappe. Il y a une trappe là. Oh. T'as la perception qui est utile. Je sais pas si c'est la perception, j'ai juste regardé. Oh, il y a une trappe ici. Tiens. On va se trouver à même endroit.
Bon, je l'ai prise, ça m'amène où? Oh! Ça m'amène à l'endroit où il y a le coffre! Oh! Toi, t'as pris une autre trappe? Non, j'ai rien pris. J'envoie des trucs à Jeanne, là. Mais regarde, il y a des trucs qui peuvent t'intéresser. Ah oui. Ah, on a dû passer par là. Mais on a dû déjà prendre la trappe. Tiens, mais il y a un coffre. Mais oui! Invocation d'élémentaire de glace. Je le veux. Fais gaffe, il y a la glace de bouffon. Ça c'est identifié, ça c'est identifié. Géomancien Terre Vierge. Prochaine. Et géomancien, t'as dit que tu t'en foutais. Bah géomancien... Fais voir Jan, est-ce qu'il... Géomancien Jan, il a 4. Ouais, mais pourquoi je peux pas utiliser ta divine? Peut-être que j'ai déjà... Attends... Éboulement... Invocation d'araignée... Bah non. Après j'ai qu'un point, mais ça me dit rien. Pff, tant pis. Ah, je peux pas prendre hydrosophie. Oh, je peux pas. Bon, par contre, ça indique toujours qu'il y a un coffre. Hein. Ah non, mais c'est un truc vierge. Ah. C'est les bails pour mettre un spell dessus ou je sais pas quoi. Oh. Oui, j'ai cru que c'était un parchemin de terre vierge. Je suis con. Oh, t'inquiète. T'as un perso qui a de l'hydrosophie? Et 0. 0, 0. Non, parce que c'est un truc de rang adepte et faut avoir 2 en hydrosophie pour l'avoir et. Jan, il a pas assez de place. Et c'est pour? C'est invoquer un élémentaire de glace. Mais t'es au max hydrosophie, toi. Ouais, je suis à 4. Mais même si je monte à 5, je pourrais pas avoir plus de spells adeptes. Monter à 5, ça te donne juste un deuxième spell de rang maître. Ah ouais? Ouais. Je pourrais faire ça avec Fulindra, mais je vais augmenter Gredin d'abord. Comment t'as fait pour passer tranquille? J'ai un spell. Et amené où t'attrapes à toi? Ah bah c'était celle-là dont je parlais. Ah oui, d'accord. Bon, en fait on a trouvé la même trappe. Ah, t'as ramassé un œil sinistre. Ouais, après j'ai l'impression qu'on est déjà passé par là. Hein. Oh. Ok, d'accord, super. Yes, t'es tombé sur un rat australien.
J'ai oublié que discuter avec des races, ça servait à rien. Ouais, c'est bien beau ce qu'on fait là, mais on a déjà fait. Ouais, non, on a déjà fait tout ça. Mais ouais, en vrai, ça va être le problème de ouf là, c'est que bon, quitte à se balader, ok, mais on sait pas ce qu'on a fait. Quel enfer. Ouais, il y a que dalle. Après, ils sont affichés sur la carte. Mais c'est pas les bons trésors quoi. C'est des petits trésors de Tarlouse. Moi déjà ça me perturbe que les trésors ils soient déjà affichés. Ils sont encore affichés. Bah après on débloque. Ouais, genre c'est vraiment Divinity quoi, c'est même les marqueurs de quête et tout, c'est ça disparaît pas, c'est GG, tu l'as débloqué, c'est tout. Du coup en fait ça se trouve truc de la chambre des échos, on l'a déjà eu et tout. Des trucs qu'on a peut-être déjà fait. Que je suis en train de me renseigner, apparemment ouais, on devrait pouvoir utiliser les Bloodstones. Ah oui. Ouais, faut bien que ça serve à quelque chose, on en a... j'en avais deux. C'est obligé, il y a des mécaniques qu'on n'a pas sur le jeu. Ah, Shalom Zerbino. Aïe aïe. Attends, alors je vais essayer un truc, mais avant je vais faire une sauvegarde parce que si ça se trouve je vais niquer une Bloodstone. Vas-y, on s'en fout. D'après ce que j'ai compris, je devrais pouvoir l'utiliser et après on retourne à The End of Time et ça devrait nous débloquer une salle. Et en fait, les inertes, c'est des stones qu'on a déjà utilisés. Ok, donc on en a déjà utilisé deux théoriquement. Exactement. Donc là... Pourquoi on a oublié cette mécanique? Parce qu'on a oublié. Ok. Parce qu'on joue pas jeu. Et donc, balise. La fin des temps, et normalement, si on va voir, devrait y avoir un truc. Mais apparemment, ils disent de pas toutes les utiliser d'un coup. Ils disent qu'il faut les utiliser une par une. Oui, ok, parce que moi je voulais dire, mais vas-y, utilise les deux. Non, justement, apparemment, ça ferait bugger le truc et ça t'ouvrirait qu'une seule salle. Ouais, voilà. Attends.
Voilà. Take a look. All your work has not been for naught. This last star stone you discovered has given the weaver just what she needed to mend another portion of the tapestry. Parfait. Another tantalizing tidbit of long lost history awaits us. Another piece of your story is ours to discover. Oh, how very... Yo Zerbino, je sais pas si on t'a dit yo. Si, moi j'ai dit. Ah, bah moi j'avais pas vu. Je suis en retard comme d'hab. Cinématique. Tais-toi. But Astarte's playmate, a creature called the Trife, turned her attention to the forbidden box. I may know a way to destroy what's inside, hissed the scheming creature. Together, we can set the guardians free. Open its lid, Astarte, and we can have a look together. Astarte trusted her friend and assented. She pitied the guardians and welcomed a chance to free them. Let me help you, she whispered into the ear of one. I know your duty, but you both deserve a chance at freedom. Haven't you suffered enough of this chore? She asked the other. Look, your companion is free already. The guardians, unaccustomed to such attention, started. She had planted a seed of curiosity within them, rekindled a desire that had, for eons, lain dormant. Slowly, they glanced at one another, and the Trife's trap was sprung. Oh oh! Les dessins sont trop stylés. We were seduced then, tricked into neglecting our duty for the briefest of moments. Oh, c'est nous. T'inquiète, tout va bien se passer. Excuses for failure. C'est un vidéo qui dit que c'est nous. Par contre, ça m'énerve parce que Moubot, il est toujours pas là. Ton bot il est inexistant. Indeed, but perhaps it isn't too late to set right what we've wronged. Par contre, la voix de ma perso elle fume 12 paquets de clopes par jour, quoi. Indeed. Je pense qu'on a rien ouvert, je pense qu'on a débloqué la cinématique. Okay. Du coup, si on va, je sais pas, un truc au pif. Tiens. Non, vous voulez t'envoûter avant. Parce que apparemment le bail c'est ça, tu l'utilises une fois, tu vas à la fin du temps, tu repars, tu l'utilises, tu vas à la fin du temps. Mais on en a deux. Vas-y. Et possiblement ça veut dire qu'il faudrait faire gaffe à d'autres endroits où on peut trouver. J'ai niqué le truc. Attends, si on se téléporte à la fin du temps. Parce que bon, je sais où la retrouver, ça va. Et est-ce que j'ai fait des conneries ? Sauf que t'étais vraiment obligé de lui tirer dessus. Ça, c'était sur toi que je voulais tirer, mais comme vous êtes équipé pareil, j'ai fait le con. J'ai cassé le jeu. Là j'ai rien d'autre d'ouvert. J'ai cassé le jeu. Je sais pas, peut-être en allant parler au gobelin. Ah non.
Other elementals lie in wait until the word you command them to action. C'est la statue qui me parle. Which one of them, pray, has your preference? What? A choice. You have to speak to the statue before we know what you'll find through the portal. Il me propose de choisir entre l'élémentaire de glace ou l'élémentaire de terre. Ah bah, comme tu veux. Ouais, comme tu veux. Bah, c'est. Il nous demande notre préférence. Bon, l'élémentaire de glace, je pense qu'à la limite, peut-être avec Jan, je pourrais choper un truc, mais encore, c'est pas 10, ça se trouve, j'ai tous mes slots qui sont déjà remplis, quoi. Alors que tu pourrais faire de la terre. Bah non, parce que j'ai pas assez de points de compétence dans tous les cas. Ouais, mais tu peux l'augmenter, les points de compétence, pour la terre. T'es déjà au max pour la terre. La terre, je suis à 4. Vas-y, va pour la glace. And that is your final choice. Après, ouais. Si je pouvais avoir l'hydrosophie, c'est mon choix je définitif. Avoir... Oui ou non, je peux encore changer d'avis. Comme tu sens, honnêtement, on s'en branle pas mal. Zerbino, il dit terre, mais c'est pas bête. Eh bah, fais terre alors, on s'en branle. Perhaps you would like, and that is your final. Parce que après ton perso et mon perso. Dans tous les cas, on va avoir les deux, mec. Oui, on s'en branle. Thy will be done. Choisis terre si tu veux. Bon. Est-ce que je peux lui reposer? Faut peut-être quitter et revenir. Mais je pense qu'il faudrait reprendre la sauvegarde. Pour la deuxième pierre de soin. Dearest guardians, how I rejoice at the sight of your growth, both in power and in prowess. And yet I cannot help but wonder. Will it ever be an... Oh, in the end, you are like infants still. Infants that would perish with a broken wail had they not their mother's milk to suckle. Mais non, 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 la Bloodstone, elle a été utile, elle a fait ça. Elle nous a fait débloquer une nouvelle salle. Ah oui, tu penses que c'est ça? As are we ah bah oui. Eyes of the gods. And yet they set an impossible task before you. C'était... Fallait aller lui parler après la cinématique. How foolish even the divines can be. Non, parce que l'autre Bloodstone, elle a permis de réparer la tapisserie. So many things. Now to find more Starstone and grow up. Bon, je vais réparer les conneries en attendant. Fortification, fléchette, option terrestre. Invocation de blob. What? Quand même trop dur. Ah, ils vendent des trucs de sorcellerie. Cool. Ah, on a un truc mis à jour. Ah, et le petit gobelin va nous débloquer une zone. Ah, nice. Donc non, j'ai pas tout fait foirer, c'est bon. Putain, la vocation du blob, ouais, bah, je vais augmenter Gredin et après je vais augmenter la géologie, mais je pense que c'est worse si tu le fais sur ton perso. Mais pourquoi je peux parler à son père? Comment ça? Bah avec Felindra je peux pas parler à l'élémentaire. Avec Felindra, avec Lydia. On avait pas déjà eu un bug comme ça? Peut-être. C'est bizarre. J'aimerais tellement pouvoir oublier un spell. Avec le démon. Pour un peu d'argent. On peut oublier juste un spell. Je crois pas. Parce que moi tout ce que j'ai oublié c'est un spell hein. Pas tout. Faut pas déconner non plus hein. The spirit of Father Nature came to me in a dream last night. And he told me to welcome you. Destruction d'invocation.
Résurrection, ouais, c'est pas mal. Tremblement de terre, sport mortel. Tu l'as acheté, invocation de blob. Ah bah oui. Ouais, il y a encore. Ah oui, mais j'en ai acheté un. Tu peux en acheter un deuxième si tu veux. Mais... j'aurais pas la thune. Boum. Invocation de blob. May the earth's vibe. Est-ce que je peux la prendre, ça m'étonnerait. Ah, c'est maître. Oui oui, c'est maître. Bah je suis pas prêt de l'utiliser. Faut d'abord que je monte mon gredin. Enfin, moi, il faudrait juste que je gagne un peu plus de points de trait là, histoire de pouvoir me mettre du géomancien à 5 et puis je pourrais l'avoir avec Jan. Et avec Lydia, je veux mettre ma sorcellerie à 5 pour pouvoir avoir le coup mortel. Putain. Ça va mettre de l'ambiance sur les champs de bataille. If it pleases you. Je connaissais pas cette formule. I have been pondering and brooding, deliberating and deducting, and I have come to the conclusion that I may well know who our true enemy is. C'est qui notre vrai ennemi? Now, our foe is the void, of course, the usurper of time and space. But more dangerous even than the great and all-consuming nothing are those who are bent on helping it here. Oui, I think he still lives. The one that set it all in motion. The one you've met here in the House of the Guardian. Yes, him. It. The one who does not look quite like he used to. The one that whispered deceit and desire. Into Astarte's ears. He is friend to the void, and he seeks to give it. As a writer, I'm going to have to disagree with you there, but even then, please don't be fooled, for he does much Donc, more than serait juste ici. What we see here, in what was once your house, is most certainly real, but the demon, Astarte, they are so. He dwells somewhere. He must. It is a creature of blood and bloodlust, of lies and stratagems. All this time he has been plotting, of that I assure. Alors pour moi ça reste Jeanne. Hein. We won't fall for its tricks. Quand même, we shouldn't get overconfident. Du fond par there is more to that thing than me. Non, il a fait un contrat avec un démon, il a tué le démon, donc il a gagné le contrat. Ornix. She told me you had grown, you know. That simpleton of a girl. Ouais, t'étais mieux quand tu ressemblais à une gonzesse méga bonne. Hein. Après, du coup, Astarte est devenue la gonzesse méga bonne, alors qu'avant c'était un corbeau. J'ai oublié tout ça. Mais mec, c'était dans la cinématique qu'on vient juste de voir. Ah oui. Ah non, mais je pense à tout l'intérieur. Après, si c'est le démon du duc... c'est une autostrade, hein. ...plucked out those dewy eyes of hers and thrown them into a frying pan like eggs. Have you ever seen... But enough of this. Small talk. Yes, I have been watching you, and my amusement has turned into aggravation. Yet still, I yearn. When you do, I'll be there, drawing circles in the skies, watching, waiting. Question.
Super. We must be getting on his nerves. Excellent. Excellent. On le fait chier. Oh, par contre, il y a 12 000 trucs à ramasser ici. Surtout une salle à forge lol. Ouais. Et la porte là-bas est fermée, je suppose. Oh oh! Coffre mythique, coffre légendaire. Coffre fabuleux. Niveau de verrouillage 40, je peux essayer de les crocheter. Vas-y. J'ai pas de truc pour crocheter moi. Non mais... Adresse... Crochetage, je suis à 0. Mais par contre, il me semble que j'ai du stuff pour crochetage. Mais maître du bouclier, je suis à 6 avec Madora. Putain. Tiens, je pense à ça, mais j'ai également chopé du stuff à Madora, je crois, hein, quand elle s'est barrée. Peut-être Saturne. Ah ouais, non, mais ça doit être des clés, des trucs comme ça. Je t'ai passé une ceinture qui fait du crochetage. Ceinture que tu m'as envoyé. Ouais. Je suis perdu. Après, est-ce que t'as des kits de crochetage? Non, non, j'ai décroché, pas d'équipe de crochetage. Ouais, mais ça doit être ça. Quel enfer! D'accord. Rires.
Je vois pas ce que fait Alan là, mais il est en train de ramasser les coffres. Voilà, c'est à moi. Je veux voir s'il n'y a pas des parchemins de bail pour encore ouvrir. Encore une cadenas. Aïe. Les chouaves des coffres. C'est pas comme si je le faisais jamais, ok. Enclume de la création. Sélectionner un ingrédient. En même temps, il y a quoi comme craft à faire avec? Ouais, mec, les crafts, on a tellement peu regardé. Oui. Mais on n'aura pas le talent de Rocky. Threads I weave and tales I see, all will I tell. The threads tell me that once, oh, I can clearly read that army, but how can this be now that you stand before me a human? En vrai, je trouve rien, ça doit être une emprise normale. The smithy. Pardon my rather inappropriate outburst of mirth. Bon, donc ça veut dire qu'il faut essayer de trouver d'autres pierres de sang et trucs dans le genre. Breastplates so impenetrable even the claws of demons would break upon their glistening surfaces. Ça permet de faire des trucs qui des armures qui sont pas percées par les griffes des démons. Itself was made there, an object so strong it could contain the very void, and it is a place of untold power, this smithy. And it is all. Je sais pas, de toute façon, on n'a rien fait avec le craft, honnêtement. Il y a un coffre qui a été créé qui contient un objet si puissant qui permet de retenir le vide prisonnier. Donc, c'est sûrement les coffres. Mais je me demande si. Ouais, non. Peut-être si les trois coffres là, ils auraient un lien avec le coffre qui parle, mais je pense pas. Parle lui, on sait jamais. Il doit y avoir un bail de clé ou de quelque chose. Hein. Après, moi je me dis, une fois qu'on a créé les. Une fois qu'on a ouvert les coffres, par contre, là, peut-être que c'est une bonne idée de les combiner avec la. La forge. Ou de création. Qu'on a découvert. On avait foutu un coffre ici. Et on a foutu des coffres partout. Par contre, ah ouais, c'est... attends. En vrai, je vais regarder les coffres, si ça se trouve, on a peut-être mis une bloodstone dedans ou un truc dans le genre. Ah. Et je me rends compte qu'il y a des bouquins à lire dans chaque zone. Oui. Pourquoi elle a dit I spotted something alors qu'elle a spotted cadavre? Oh, chouf. C'est quoi ça? C'est rien, c'est un élément de décor. J'espère.
Je sais pas pourquoi mon perso il a dit qu'il a découvert un truc alors que... Il est peut-être bourré hein. Ah d'accord, non c'est peut-être la hache. Attends, wait what? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai une autre pierre de sang. Ah. Eh ben, on se casse. Ah, j'ai voulu le faire, mais ah, j'ai des petits rollbacks là. Pourquoi j'ai une autre pierre de sang? T'en avais trois? Non, j'en avais deux. Un petit drop d'image là. J'avais oublié cette musique. Bloodstone, as powerful as it is sinister. On va attendre un peu, voir si ça se calme. Ça nous a pas TP. Par contre, il y avait des champignons. Do prefer an audience when I give one of my history lessons? My friends, I see you found another star stone. Oui, en fait, elle était dans notre poche, mais on n'a pas fait gaffe. Either, for I think I may have nearly figured out why Source became so terribly tainted. If Astarte is the goddess of the Source, and the void was contained in her very garden, might it stand to reason that it was in fact the void who turned Source into such a dark and terrible power? But the... With the guardians distracted, Astarte lifted the lid of the god box. What she saw was nothingness. Astarte had called forth the Void Dragon, whose sole purpose was to undo all creation. Caught off guard and terrified, the Guardians, sworn protectors, what? Fled. But Astarte stood firm. She grabbed hold of the dragon and hurled it and herself into the reaches of the Void. Here she battled the dragon for all eternity. For his deception, the Trife was cast out of the first creation. He fell to Rivellon, a monstrous creature unworthy of the realm of the gods. Since that terrible day, Source has been tainted by the presence of the Void. A once beautiful power has become corrupted, and those attempting to wield it... C'est bon, la cohérence. ...often go mad in the process. Eh ben, ça me rappelle la première fois qu'on avait découvert que le vide, enfin la fin du monde existait. Parle-moi, je peux pas te parler. Ah, je peux pas te parler. Bon, tant pis. Bah, c'est obligé, je pense. Fais une sauvegarde des charges, ça devrait marcher. Et il est pas là le petit diamantin, il a ouvert encore une salle. Eh, je save et reload. Hein. On va voir si ça marche. Hein. Mais du coup, je pense à ça, mais du coup, l'élémentaire de glace, on l'a débloqué en fait. On l'a juste pas fait spawn. Oui. Mais non, je pense que c'est même pas ça. Je pense que c'est juste
des trucs à nous, quoi. Genre c'était des élémentaires qui sont battus avec nous et qu'on resummon ici, mais qu'on rien à voir avec les autres. Pour moi, c'est ceux qu'on a sauvés, là. Non, je pense pas. Ouais. C'est pas de notre faute. Mon petit diablotin, là, il est où, fils de pute? Bah, c'est cool, en tout cas, que juste un reload, ça fasse marcher le bouson. Ouais, c'est... Ça se fait tranquille. Ah, I wonder who awaits you in the next chamber. I wonder what they. C'était marqué boutique, je sais pas quoi. Ah, ça a starté. You have to reach me. Star stones will pave the way. Find them, use them, empower them, and hurry. Please make haste. Oui, t'inquiète. T'en as pas encore une autre là qui a droppé par exemple? Alas, that the damnable stuff is hidden pot of gold. Ah, y'a des méduses. Vas-y, moi je parle avec la bestiole. Je peux pas parler avec la bestiole. Yo! Ils vendent des trucs? Ils font des trucs de ouf! On a pas de thunes! Des gens, ils vont un putain d'arc de ouf. Ouais, mais je suis un malade, c'est dommage. Mais je peux quand même prendre les arcs. Mais c'est un truc niveau c'est, ils vendent des items niveau 20 en fait. Ok, bah on est niveau 20. C'est quoi le problème? Mais mais ils vendent des trucs de ouf, je pense que c'est t'sais, marchand en vue. Pourquoi y'a un truc qui est rouge? C'est un élémentaire de feu. On peut peut-être l'attaquer, mais j'ai peur que ça foute la merde. Ah non. On a débloqué la boutique. Ouais. Bon bah écoute, faut continuer notre quête des pierres. Je sais pas trop où on va en trouver maintenant. À part dans tes poches, mais. Déjà, le journal il est mis à jour. Non, parce que du coup, on a les trois là. C'est le moment de faire des folies, ouais, ok. Donc, il nous en manquerait quoi? Une. Deux. Non, il nous en manquerait deux. Ah ouais. Mais en même temps, on vient d'en utiliser trois. Ah, deux, sans compter les cinématiques et ces conneries. Si, on en a encore. Tiens, je vais voir si la statue les cause pas. Serve our mission. Threads I weave and tales I see.
all. They are merchants that know no borders. Their tongues are made of... Yes. They are merchants that know no life of consequence. Their trade is their life. Free are they to do so. As yet. Je suis 100% en train de regarder sur internet, hein, mais j'ai trouvé deux endroits où on peut choper des Starstones. Ce serait les deux dernières. Et il y en a une. Va falloir que t'aies de la perception, mon gars. Là, je peux pas faire plus, hein. J'ai 13. Parce qu'on était littéralement passé devant. Ah oui, on est venu ici récemment en plus. Ouais, ouais, c'est le bail avec le miroir cassé. Ah bah non, mauvaise route. Super. My bad. Ça devrait être dans le coin techniquement. Je vois R. Boost ma perception. Oui, bah si t'arrêtais de bouger, j'aimerais bien. Mais apparemment, ça devrait être dans le coin enterré à côté du truc. Boom. Nice. Allez, end of time, let's go. Je pense que la VOD, je vais l'appeler une VOD sans baston, est-ce possible? Bah en vrai, à ce niveau-là, mec, honnêtement, on a buté quasiment tout ce qu'il y avait sur toutes les maps où on peut aller jusqu'à maintenant. Nice! C'est bon! On va pouvoir aller au temple de la source et faire des trucs. Ouais, en vrai, je pense qu'on s'approche de la fin. Hein. Gros, on a complété notre mémoire et tout. On s'approche de la fin de l'histoire. On a 80 et quelques heures. Ouais, bah justement. Après, je sais pas comment ça va marcher les DLC. Ouais, mais est-ce que c'est des trucs que tu lances séparément ou... Peut-être qu'on les a déjà fait. And so,
They ripped their threads from the tapestry of time, so becoming unknown to history and unknowing of themselves for all eternity. D'accord. Mec, c'était tellement des lâches, ils ont effacé leur vie pour qu'on se souvienne plus jamais d'eux et de ce qu'ils ont fait. Bah c'est nous, hein. Oh la vache. C'est quoi ces gardiens là? Le mec il a vraiment choisi des gars, il les payait 100 balles de l'heure, ils étaient en mode mec je sais qu'on est bien payé mais honnêtement c'est tendu là. On serait pas venu nous parler de la vie et de tout ce qu'il y a de côté, on n'aurait rien fait et on aurait fait notre job. Hein. C'est pas de notre faute. Pourquoi j'ai vu l'audio et il fait plus rien. Ah ouais. Still, duty is honor. Alors du coup, le poteau gobelin, il nous ouvre une salle ou ça se passe comment? Il est parti de l'autre côté. Oh. C'est peut-être les extensions, ça. Je sais pas. Mais dans le doute, est-ce qu'on va chercher une autre pierre stellaire? Ouais, il a rien ouvert. Ah, statue. C'est bon. On va à la glace. Oh, it's so cold in here. I think my very words may freeze. Guardians, I ask of you, what are you doing? What good can come of your misguided actions? I have tried to warn you. I have tried to be your friend by pointing toward the one great truth that is the Void Dragon. J'aimerais trop quand on finit le jeu, ça nous donne nos stats, genre, tu sais, à quel pourcent on a fini. Ouais. Faut regarder, ouais. On va voir ça même sur les stats Xbox. Déjà, faut qu'on lui casse la gueule, maintenant. A blessing awaits beyond the top. To be our friend, that word has truly lost all meaning. By the hoary beard of Boreas. You've come home. It's about time, isn't it? Your quarters have been invaded by all manner of madness. Off to explore. Qu'est-ce qu'elle a? Mais j'ai pas de spell maître. Bah je peux me mettre des spell maître, j'ai des spells experts mais pas maître. Oh, rafale glaciale. Oh mais putain, il y a tellement des trucs de ouf. Ça donne envie de se restat. John, t'es comment toi déjà, côté spell? Bah s'il y avait un moyen... Je pense que Hydrosophiste t'es 4. Ah, t'as guérison de masse en maître, ouais. S'il y avait moyen de se faire de la thune facilement... Ouais, même pas, en vrai, à ce niveau-là, faudrait level up, mais bon, j'ai envie de te dire, allons voir, allons voir. Ah oui, on peut encore level up, mais ça va pas. Mais bon, je pense que vu qu'on est proche de la fin, ça risque d'être compliqué. Faut aller chercher l'autre pierre, hein, du coup, je pense. Ouais, ouais. C'est où?
Il y a juste un truc que je veux aller tester avant. Parce qu'il y a une amulette que Madora avait, qui a une description assez peu commune, sur laquelle il y a marqué une amulette honorifique décernée au plus grand par l'ancien roi de l'hiver. Ah, c'est pas celle que je veux aller voir si en s'approchant de la salle du trône, il n'y a pas moyen d'ouvrir la porte. Ah, c'est pas celle que je t'ai filée. Non, c'est quand Madora s'est barré, je l'ai chopé. Ah oui, d'accord, ouais, c'est un idiome clé. Est-ce que c'est une amulette que j'avais sur moi, par hasard ? Effectivement, c'était l'amulette que j'avais sur Madora. Est-ce que... Non, ça ouvre pas la porte. Pas l'utiliser sur la porte. Je pense pas que je peux l'utiliser. Attends. Il doit forcément y avoir un bail pour passer derrière. Y a pas une tourelle, quelque chose à quoi on peut, je sais pas, parler, répondre à une énigme. Je fais en sorte que Philindra parle au lapin, mais ça va être compliqué parce qu'il me fuit. D'accord. Après, il y a un délire avec les quatre éléments dans la salle. Mais attends. Là, il y a un truc de foudre. Foudre, feu, terre. Là, il y a un truc de terre. Attends. J'ai pingé quelque chose, non? Ah putain. Ping de merde. Je suis sûr d'avoir pingé un truc. Putain. On peut utiliser une statue à côté du truc de terre? Oh! Il parle. Ah oui. What the fuck? Ah bah je viens de le découvrir avec Felindra. Je peux pas rejoindre le dialogue, je crois. Vous qui convoitez le trésor de l'hiver, prouvez-moi la noblesse de vos intentions et votre valeur. Si vous êtes de ceux qui méritent d'être accueillis en amis, donnez-moi le nom du frère de Boreas régissant le domaine de la Terre. Mec, j'ai 8 noms différents. C'est quoi les 8 noms? J'ai Antsigar, Aroka, Boreas, Jijix, Lurean, Sadakandras, Sua, Txikmasta, Tskimista, je sais pas, TSX et TX, ça c'est chiant à dire. C'est quoi, Random Number Generator, allez? Non, attends, non, parce que ça se trouve, on a qu'un try. Ouais, mais Gamble. Mec, le random number il m'a donné 5. Son nom est Lurean. Ouais, tiens, c'est ce qui me disait quelque chose. Ouais. Allez. Oh! Correct. Ah putain. Gamble! En plus, moi j'allais dire Lurean. Bon, après coup, ça fait genre. Non. Bien, Gamble!
il y a une zone de foot, c'est quoi le bordel avec ça? Je veux aller voir avec Jan. Ça marche. Wesh, y'a R. Oh, y'a une sentinelle juste ici. Oh! C'est moi. Qu'est-ce que tu viens de faire? J'ai désactivé tous les pièges avec Indra, je suis passé en invisible. Waouh! Bah, je suis en voleur. Stellaire. Oh! Bon, c'était même pas celle-là que j'avais regardé. C'est des vigies. Il y a des vigies partout. Je pense qu'elle s'énerve si on s'approche pour essayer de prendre les trucs. Parchemin d'eau de vie, parchemin de mur de glace, le dernier mouton garou, parchemin de téléportation de puits. Oh! Bah moi je suis en train de parler au coffre. Enfin, et samedi, les pierres ornées de ruines étranges. De quoi? Les pierres ornées de ruines étranges. Parle-lui avec toi qu'elle a... Minute. Parchemin de téléportation de puits. Mec, faut absolument qu'on aille voir le puits, je pense on peut genre ouais. le TP. Tu peux carotte les trucs tranquille? Tant que je suis visible, ouais. Vas-y, carotte. Oh, y'a l'amulette de l'hiver. Après, j'ai quand même envie de me faire spotter par la vigie. Voir ce que ça fait, si ça invoque des ennemis ou... The seven grand abundance. Voilà. Oh bah c'est pas mal tout ça. Bon encore qu'on retourne. C'est les vigies qui les activent. Et du coup, faut qu'on aille à la pierre dont tu parlais. Et il y a un autre endroit aussi où il faut qu'on aille. Là où j'ai ramassé la pierre à côté du miroir cassé. On avait fallu retrouver la mémoire pour passer une porte. Oui, mais de toute façon, ça doit être la quête principale, mec. C'est aller dans le temple de la source et tout.
Mais ouais, il y a une pierre stellaire qu'on peut trouver là, qui est pareil ici. Et puis moi je dis aller voir le puits aussi, vu qu'on a le parchemin de téléportation de puits. Ouais. Qu'on aille le voir, faire voir son pote. Nous avons trouvé le sort permettant de renvoyer William à Cizéal. Il en sera ravi. Let's go. Ah, par contre, je sais plus comment on va, William. Qui s'appelle William. Je sais pas, mec. Grand prison, l'entrée du château. Je suis à l'entrée du château, moi je me suis TP. Pour voir la carte. Il faut aller. Eberheim, là. Ouais. Qu'est-ce que ça fait? Je sais pas, j'étais en train de regarder la map. Ah. Eh ben laisse-moi te dire que j'ai bien fait de prendre l'amulette de garde royale et de m'en équiper. Pourquoi? J'ai chopé l'anneau d'hiver. Il fait quoi? Intelligence, résistance à l'eau, involonté et débloque une compétence éclat de glace. Pas mal. D'ailleurs, l'amulette d'hiver, elle fait quoi que t'as ramassé? Je sais pas. Il y a des poussons qui l'aiment pas. Oh, attends, j'ai la bénédiction d'Ikara. Ah ouais, c'est pas ouf. Mais attends, en plus, éclat de glace, je l'ai déjà, non? Ouais, je l'ai déjà, ça sert à rien que je le prenne avec Jam. Même si file de l'intelligence, tant pis. Tu dois déjà avoir un truc qui file de l'intel. Mais du coup, tu disais l'amulette de l'hiver, ça fait quoi? Je sais pas. Il y a un truc. Non, je sais pas ce que ça fait. Faudrait que tu regardes. C'est toi qui passe. Mais non, c'est pas moi qui l'a du coup. Je l'ai refilé à moi. Je l'ai refilé à personne, tu me l'as pas filé. Non, j'ai mis la déclaration sur le portail, mais. J'ai pas la mise à l'heure. Mais. Pourtant, t'as dû la ramasser. Ah mais oui, attends. Ah, vitesse, résistance, air, affiche congélation, contact. Oh, ça peut être bien ça. Après t'as déjà un truc qui inflige congélation avec Madora ou pas? Mec, en vrai tu t'en équipes avec Madora, si tu te fais taper l'amulette ça permet de décongeler. Je l'ai déjà, je crois. Ouais. Du coup, t'as trouvé à peu près où est-ce qu'il est, puis? Non, je suis en train de chercher. Mais après, si on trouve celui à Berlin, il va nous emmener à l'autre. Oui. Ça n'empêche, vive le random number generator. Ouais, j'allais dire celui-là, mais bon. Vive le random. Gros, le gamble. Ah, ça a payé. Sale.
Alors ouais, par contre, tu vois, je suis en train de regarder l'endroit où je disais qu'il y avait un truc, mais je trouve pas, donc on a dû déjà le choper. On a fait de la perception. Non, on a dû déjà le faire, fallait détruire un truc pour choper une pierre, mais on a dû déjà détruire le dit truc. Donc, de toute façon, faut qu'on retourne au truc du temps, là. Ouais, mais puis... Ouais, je suis en train de le chercher. Où est-ce qu'il pourrait être, ce sac à foutre? Faut que j'arrive à parler à ce cerf. Did you see the Fire King? He was here one minute, gone the next. Peut-être que le cerf il a pas envie de te parler, hein. Non, il a vu le roi du feu, mais apparemment il était là et il est plus là. Putain, mais il est où ce puits de ses morts là? J'ai trouvé. Putain, y a de la glace. Je croyais que ça allait être le gros trou le puits. Mais non, ça va, il est tout derrière. Exactement, j'allais dire facile, il est affiché sur la carte. Ah mais oui, ok. Felindra qui arrive en reste supérieur, et c'est cassé la gueule. Écoutez. Il dit qu'il est content. Il nous dit de lire le parchemin. Et il sera de retour à Cizéal. Parchemin de vie, parchemin de la glace. Alors par contre le parchemin il est extrêmement drôle. Il pouvait nous demander n'importe quoi et il veut qu'on transporte un puits. Boreas doit avoir plus qu'une case en moins. Ceci dit, le maître mage n'est pas du genre à refuser quoi que ce soit du roi. D'accord. Ah, et du coup, le truc, c'est pif pouf paf que le courant t'emporte puis. D'accord. Et bah, faites. Pouf! Il nous a dit d'aller le retrouver à Cizéal, lui et son frère. Ok. Quel enfant. Non, et puis en vrai, je veux aller voir s'il n'y a pas une librairie, un truc dans le genre dans le coin. Tu sais, fouiller, voir s'il n'y a pas des livres qui peuvent faire d'autres trucs dans le genre qu'on n'aurait pas acheté, quoi. Si, je crois qu'il y a une librairie. Après, on est bien à Cizéal, ouais, j'ai pas fait de la merde. Oui.
C'est... Quoi, il y a une clé? On a dû rentrer. The earth here seems to have been freshly fertilized and aérated. Obviously, someone has taken great care. Ouais, comme d'habitude, hein, par des moyens approximatifs qui n'ont pas du tout été prévus. Je voulais creuser et il y a la MJ qui me dit la terre a été retournée, enfin fertilisée récemment, retournée. Quelqu'un se donne beaucoup de mal pour entretenir ce cimetière. Voulez-vous vraiment creuser? Du coup, Vas-y, hein. Fais comme tu le sens. Très bien, ils sont creusés. All right, time to get digging. Here's hoping we find something worthwhile. You plunge your shovel into the earth. La MJ nous a violés, gros. Oups. J'aurais pas dû venir à côté. Il y avait encore Madora en vie, elle aurait pu nous ressusciter. Oh merde. Ok. Ouais. Ouais. Il essaie d'y avoir des sauvegardes rapides dans le jeu. Faut qu'on se cause encore. Bon, je cherche la maison du maire, je vais lui péter sa gueule. Pourquoi? Je sais pas, j'ai envie. Ah, c'est pas là. Ah non, là c'est la taverne. Tu gueules? C'est là, je crois. Mais j'ai trouvé la libraire et j'ai fait l'acquisition du seul livre qu'elle vend en fait. Qui a l'air utile. Et c'est quoi? Parler oublié des fées. Hmm. Ce livre imposant permet au lecteur attentif de déchiffrer les textes sacrés du royaume féerique à travers les runes étranges et innombrables et leurs traductions. On peut ouvrir le coffre de Eberheim avec ça. Putain, hé! Hey. Tu
tu te rends compte que ça veut dire qu'il faut prévoir d'acheter ce bouquin là précisément. Ouais, c'est un casse-tête le jeu. Après, bon côté des choses, on a juste à aller à Iberheim, à l'entrée du château, pouf pouf. Oui. Elle était rigolote, on dirait. Oui, oui, c'est... Oui, oui. Puis oui. En plus, tu m'as laissé ta pelle. J'ai pas trop eu le choix. Non, mais merde, fais chier, moi je m'attendais à trouver, je sais pas, un truc quoi. Non, mais la MJ elle était pas heureuse de notre merde. Tiens, attends, parle-moi, connard là. Non, non, non. We may have been tricked, I blame us. Nique ta mère, allez. Et du coup, ouais, je suis vindicatif, t'as eu indulgence. Mais fais gaffe, faut pas. Il faut bien de l'indulgence. C'était 5 hein. You who seek the winter treasure, prove your intention, collect you are. Nice. Putain. Que fait une dans son lien. La vitesse. Mais attends, j'ai mis le truc d'ombre et... What? T'es pas invisible hein. Attends, j'ai mis le truc. Oh, je te vois pas invisible hein. Non, mais j'ai pas eu le buff. Je pense que ça a bugué. Attends un peu. Fais gaffe, je crois qu'ils aiment pas trop les intrus. Ouais, okay. Lol et lol et lol. Essaye d'aller ouvrir le code du coup. Hein. Ouais, attends, je veux rechoper l'anneau de l'hiver. Mais tu penses qu'il y a un combo amulette et anneau? Je sais pas. Alors. Si je lis mon livre. Ah bah non, faut juste que je lui parle. Nice. Yo. Il y a des trucs dedans? Ouais.
c'est nul. C'est nul ? Bon c'est bah tant pis hein. Mais elle s'en fout des statues en fait. Puis du coup. Ouais, faut que j'aille récupérer maintenant. Vite. Tu t'es téléporté ? Je me suis téléporté à l'entrée du château et j'y suis allé à pied. Déteste la classe. C'est Madora en plus. C'est même pas moi. Mais je m'en branle, je fais aucun damage. Oh non. Putain, fils de pute, j'allais te muter. J'ai essayé d'envoûter Madora. Mec, j'ai essayé de t'attaquer et... Lydia, j'ai eu moins 5 que Lydia. Quel enculé. Attends, mais non, mais je peux pas le faire, c'est toi qui le... Non, c'est moi qui... Non, c'est toi qui l'as violé. C'est sérieux. Bah quoi, j'ai juste rajouté un i. Je vois pas où est le problème. J'ai pas volé le parchemin, moi. Bah moi, j'en ai pas, toujours. Bah si, si je l'ai pas tu l'as forcément. Parchemin vierge, tragédie magique. Ouais. Ça va faire comme avec l'amulette hein, tu l'as mais tu le vois pas. Épée de garde, un jeu de cartes. J'ai l'amulette de l'hiver. Ouais. Personne n'a ramassé. Ouais, je réalise pourquoi t'as rien.
tu peux pas ramasser. Oh, j'ai pris une amulette. Ouais, mais t'aurais pu faire le tour et tout ramasser quand même. Je vais attendre. Petit test. Amuse-toi bien. Ouais. Je m'amuse à essayer de faire des combinaisons d'éléments au sol. C'est un mec qui se prend pour Avatar. Time for some fancy footwork. Je me demande si j'ai pas des potions de célérité. Potion de perception, j'en avais même pas besoin de se faire chier à me booster tout à l'heure pour regarder. Non mais j'essaye de voir il y a quoi comme différentes combinaisons que je pourrais faire en vrai tu vois pour essayer de faire des trucs au sol et tout. Bah déjà la pluie et la foudre c'est pas mal. Ah bah oui. Mais il y a mieux. Non parce que si je fais du feu, de la pluie et puis après de la foudre, j'ai un nuage qui stun en plus de l'eau qui stun. Nice. Les essences ça coûtait cher du coup je vais les ramasser. C'est pas bête hein. Vu qu'on n'est pas en mode craft. Bah c'est sûr que si tu les ramasses c'est uniquement pour les vendre. On sait pas ce que c'est le craft. On est deux gros bourrins retard. Je crochète et je vole à la tire. Et je oui, glisse. Et moi je déchaîne le chaos et la destruction, mais bon. Ça ne change rien. On n'est pas là pour travailler. Okay. Well, Wanderer, this well is still stuck here. Willing, what's this? The spell? I was snapped. The willful king wanted to rule all Hyrahheim. Oh, my wily old one. Would that I could whoosh off to him myself.
si elle a pas fait cette épée. Faut lire le parchemin à côté de lui, du con. Oui, ok, d'accord, je pensais que c'était un dialogue. Non, non, tu lis le parchemin et pouf, il disparaît. Ça permet de remplacer l'emplacement. Well, what do you wish to say? Words are like wine, you know? Would that I could, but without... Oh, I wonder. I can teleport you to the Winterland. Give Willy my... En fait, ça, on aurait pu le faire depuis tellement longtemps. Ah mais il y a plein de trucs qu'on aurait pu les faire depuis tellement longtemps. Regarde les Bloodstones, on les avait sur nous. On ne savait pas. Simply wonderful. The spell, it's working. We'll meet again, Wanderer. Pouf. Je me demande si je relis le spell à côté d'eux, s'ils vont se téléporter ensemble ou... T'imagines, au lieu de le lire à côté du gars qui est dans la zone de neige, tu sais, tu vas voir son frère, tu le lis à côté et tu l'envoies lui aussi dans la zone de neige. Au moins ils sont ensemble. Et du coup j'ai envie de tester sur tous les puits qui existent dans le jeu. C'est un sort de téléportation de puits, hein. Commerce, mais y a rien. You went and whipped out your wallet and winged a bit of gold my way, and I'll wow you in return. Let's go, on a fini la quête. Work is magic. What would you like to wish, our most willing friend? Decide about your willing despair, and I'll will you some. Working your way in the big leagues. Mais j'ai pas quoi comme vœu? 400 et je sais plus combien. Mais j'ai pas de... j'ai 200. Tiens, fais un vœu. Comment tu fais un vœu? Tu lui parles? Il y en a aucun qui me propose de faire un vœu. The spell appears to have failed. Ouais. Bah, j'ai pas de thune de toute façon. You went and whisked Willy back to Wally. Wow. Et moi j'ai pas assez de toute façon. Ah bah il me propose plus. Ah c'était une one time thing et tu l'as ruiné. Je pense pas. Je pense qu'il faut se téléporter ou charger. Oui, c'est vrai. Hein? Petit monsieur gnome pas là? Il est pas là. Il est où? Bad news, travels fast. Il est où le petit bâtard?
Ah, il est là. Ah mais oui, c'est la salle du marchand. Et du coup, celle qu'on a trouvée... Welcome, welcome, step right up. Browse these fine goods from far-flung fairy worlds and local slums the same. Take your time or don't. Time is meaningless after all. Ah, c'est bon. All of the missing threads have been rewoven and the canvas is clear for the first time in eons. On a fini la... Il y a un dialogue. Il est en train d'enfermer John, mais... The final mystery may at least reveal itself. The final thread of your memory may be restored. Non mais skip, hein, on s'en branle. Let us watch. Non, j'ai pas fait ce dialogue là. Mais The Guardians had failed. Bien sûr que si, c'est ce qu'on avait fait avant. Oui, effectivement. On va retourner là. So the souls within and look what happened. It was a show of we. If he has tried to be our friend, that word has truly lost all meaning. Death's blessing, yes, but no more. Voilà, pouf pouf. Non, et puis en vrai, moi je dirais on s'arrête ici, hein. Ouais, c'est pas mal. 2h30. Mais au prochain stream, on peut reprendre directement au temple de la source. On a complété le truc et tout, je pense là on peut passer à travers la porte et faire les trucs de source, hein. Ouais, ouais. Et ouais, on approche de la fin. Et moi je pense que les deux portails supplémentaires, c'est les extensions. Je sais pas, on verra bien, moi je pense que c'est peut-être des trucs optionnels à la con. Non, moi je pense que c'est des extensions. Parce que jusqu'à maintenant, il y a un marchand, il y a un marchand de secrets, il y a un forge lol, il y a un gars qui peut changer tes stats. Ouais, non, on a tout. On a tout. Je pense qu'on va traiter ces extensions.
Hop, je fais une sauvegarde. Et voilà. C'est pas mal déjà. Bah écoutez. Oui, je vais m'en aller. Oui, ça marche. Peut-être après bouffer, hein. Oui, Inch'Allah. Et puis bye le stream et bye à tout. Ouais, parce que YouTube. Merci d'avoir participé à ce stream de 2h30. Ouais, ciao. Bouille.